Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, ce deuxième épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons la Galatie et dans lequel nous avons l'entièreté de la Galatia et Cappadocia. Ah oui, oh purée, c'est vrai qu'on est un peu dans la mouise. Plus de bouffe. Et quoi? Ordre public bas? Ah oui, eux ils avaient la peste. Oh putain. Pas terrible, hein. Pas ouf l'ambiance ici. Ouf. J'ai bien mis mon mode. Oh tiens, j'ai bien mis le mode. C'est 12 tours par année. Donc au lieu d'un tour par année, je suis à 12 tours par année. Ce qui est plus intéressant. Ce qui pourrait être intéressant en vrai, c'est un 4 ou un 8 tours par année. 6 tours par année plutôt. Non, 6 tours par année, ça peut être intéressant. Je crois que 4 tours, c'est dans Empire divisé. Bref, reprenons. Alors avant que la partie commence, juste... Oh, faut que je vous dise un truc, les gars. Ouais, mais non. Voilà. On vient des courses, là, et en allant aux courses, donc j'avais un petit bon de réduction pour une marque de produit. Ouais, mais ça fait pas assez longtemps, donc là on va me prendre pour un... Ah non, 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 non. Ça a bien marché. Regardez. Oh merde! Bon, digne de confiance. Mon taux de fiabilité a baissé. Pourtant, c'est lui qui me propose, c'est pas moi qui ai proposé. Normalement, ça devrait être bon. Bon, c'est pas grave. Bref, je disais, j'avais un bon de réduction, là. Le bon de réduction, on va toujours lire les bons de réduction, quoi. Et là, je disais, pour 6 articles de la marque X... Ah mais si je dis la marque X maintenant, ça marche plus à cause de anciennement Twitter, ils font chier. De la marque Y. Non mais comment ils ont pu appeler X? Non sérieusement, putain. On a une réduction sur les produits. Mais bon, toujours lire les lignes, les petites lignes. Donc en petites lignes, c'était écrit valable pour l'achat de 6 produits minimum. J'ai pour utiliser. Et là, les gars. Il n'y avait pas que les petites lignes. En plus, il y avait les lignes minuscules. Je vous jure. Ah, j'ai la première fois que je vois ça. En dessous des petites lignes, il y avait des lignes encore plus petites. Pour dire, en gros. Mais il faut que ça soit encore plus précis. C'est pas que de cette marque, c'est que de ce truc-là. Oh, j'étais dégoûté. Je me suis fait avoir. Au final, j'ai pas acheté ce que je voulais. Voilà. Donc, mon mot du jour, c'est bien de lire les petites lignes. Cherchez les lignes minuscules. Ouais. Bon, on est bien au niveau. Enfin, on est bien. On est remonté ou on est moins mal niveau bouffe. Et où mon espion? Il est là. Chez qui je vais envoler de la bouffe parce que... Ouais, les cellules, ils avancent. Hein. Je vais voler de la bouffe un peu aux cellules. Ils devraient en avoir plein, donc c'est pas très très grave. Oups, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Je sais pas, dans ma tête, j'allais déployer mon espion. Oups. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Elle a monté d'un niveau? Non, ça doit être mon... Ouais, c'est mon champion qui a monté d'un niveau, je sais pas. Ouais. Ah la vache, oh les pertes. Les pertes dues à la bouffe. Oui. Voilà. Attends, mais elle envole vachement de la bouffe, elle envole combien? 6! Ah ouais. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce que... Taux de croissance, c'est pas mal. Taux de croissance et taux de recrutement, coût de recrutement des unités, moins 30%. Ah mais c'est parce qu'il me pille lui aussi. Bonjour, bonjour.
Je vais faire un petit mode agressif. Je vais les relâcher, j'ai besoin d'argent. Lui, il a même monté d'un niveau. C'est très très bien. Voyager, c'est la vraie liberté. Et on le mettra en soldat. Attaque, pillage. Ah, il y a ça aussi. Hein. Ou alors, guerrier sans peur, pillage. Et attaque. Ouais, on va faire sa guerrier sans peur, attaque, pillage. Mais ce qui fait que... je vais pas pouvoir le monter de niveau. Enfin, vous allez voir, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Ok, on est bien. Oh, l'ordre public, plus 24. Pas mal. Alors. Il est où mon général? On va renforcer sa promotion. Ça augmente un peu le taux d'imposition, c'est pas mal. Hop. Et hop. Il est pas mariable lui. Il a que 18 ans. Ah, 18 ans. À cette époque-là. On était mariés depuis au moins 5 ans. Non? Surtout que chez les nobles. Franchement. Ouais, donc. Ces troupes-là, Lilou Hurlant, là, je les emmènerai à Samosata. Et mes guerriers vagabonds, je les ramènerai à Iconium et je ferai un petit échange. Petite fusion de troupes là, je prendrai les légionnaires, enfin je ferai un petit mélange. Et va falloir... ah quoi que hein. Parce qu'en vrai de vrai, est-ce que je retournerai pas... sur l'Arménie? Ils ont une province entière à eux. Ça peut être intéressant. Et surtout, j'aimerais trouver une cible de pillage. Parce que je trouve que là, c'est pas... Là, je trouve que j'ai pas assez de rentrée d'argent. Donc il me faut une cible. Toujours pas... pas ouf, ça. Les rentrées... Après le revenu, là, il va augmenter avec augmentation de l'ordre public. Parce que je crois que les revenus augmentent... Alors, je sais pas quel effet de l'ordre public sur les revenus, mais... Si c'est les taxes, ou la corruption qui diminue, les taxes qui augmentent, je sais pas. Mais... Je sais que ça joue. Effet de l'impôt, moins 5 d'ordre public. Ouf. Voyons voir, lui... Ok, on s'entend pas bien, la Bitini. Ils veulent toujours pas, hein. Ah! J'ai rien vu. Ici j'ai un petit paiement. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Ouais, je vais quand même fusionner les deux troupes et en refaire une belle. Après, en soi... Ça, je m'en fous, c'est bien d'avoir des petites troupes pourries qui peuvent... passer. Parce que là, je suis en train de me dire, même si je vais prendre ça, là, il me faudrait Sidé, Tarsus et Salamis, mais Salamis qui est... qui est chyprienne. Quel des deux je vais faire? Fabricant de boucliers, de toute façon, avec ma cavalerie, ça fera mal tout seul, j'ai envie de dire.
Ouais. 5 000. Wow. Et les nobles galates quand même. Hein. Faudrait que j'aille piller Tarsus. Mais ça se fait pas comme ça. J'ai pas le. Ah, Sidé qui s'est fait prendre. Après, eux, ils tomberont pas comme ça. L'Abitini, ils ont des soldats, ils sont. Ils sont forts. Hein. Cavalerie à Gemma. Faut pas les embêter. Hein. Ils ont des piquets, je crois aussi. Ah, peut-être pas. Après, c'est le Cid, ça reste quand même des cultures macédoniaises. Non? Donc, je me dis. Il y a un monde dans lequel. Athènes. Ah, ok, il n'y a plus d'Athènes. J'ai pas mal de bâtiments qui sont construits. On le revoit au niveau des revenus, c'est cool. Voilà. Tu vas enfin pouvoir te marier à 21 ans. Quoi? Comment ça, 21 ans? J'ai mis mon mode là. Ah, j'ai l'impression que le mode il a pas marché. 53 ans? Il a pris 2 ans là. Il avait 19 ans, je me souviens. 18. 3 tours. Oh merde. 53, mais ça veut dire qu'il va vite clamser lui. Oh merde, mes espions aussi. Pas que de non-agression, ça me va. Ah, 54. J'ai le mode, il a pas fonctionné. J'aurais peut-être dû le lancer dès le début de partie et là ça a pas pris en compte. Merde. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol. 2 tours avant reconstitution pour tout. Hein. Ouais. Bon, dans 2 tours j'avancerai. Hein. Ils sont toujours en train de se taper dessus. Le Tilly, on va bien faire un. Oh yes. Ah ouais d'accord. Ah non mais attendez les gars, c'est insane. Il y a un oiseau. Je me demande si c'était pas un rouge-gorge qui est venu jusque dans ma cuisine. À un moment j'entends du bruit, je tourne la tête, je fais tiens, c'est bizarre. Là je vois quoi? Je vois un piaf, il me regarde en mode oh tranquille. Puis là il fait ouais non en fait pas si tranquille que ça, il me voit maintenant, donc il s'est barré. Dans le plus grand des calmes. Ok, bon, on est copains avec le royaume de Tilis, ça c'est cool. Un piaf qui vient comme ça. Ils sont pas farouches, hein. Alors, je veux bien que j'ai un arbre qui soit littéralement à 2 mètres de ma porte, mais quand même. C'est génial. Tu me diras. On avait une corneille chez mon frère, Corneille. Corneille sauvage de base qui venait se poser sur les épaules. Rien à foutre. Un marchand venu des terres lointaines est arrivé chez nous. Il apporte une étrange teinture qui crée une couleur riche, jamais vue auparavant. Carrément. Couleur jamais vue. Tu me diras à un moment. Pause, hein. Ok, on augmente les revenus et notre bouffe grâce au bétail. Comment ils sont arrivés là? Putain, le méga basilos. Ah ouais. Changement de plan. Changement de plan oblige. Oh, rien à se foutre, rien à se tirer. Ça passe là. Ça passe là.
Et lui, il ira là, parce que je suppose que de toute façon, même en marche forcée, il va pas aller très loin. Ouais, va falloir commencer à s'occuper du... C'est le CID, mais ils ont le gros de leurs troupes chez nous, quoi. Enfin, près de chez nous. Je vais essayer un... Oh, Tarsus. Évidemment, oh, putain, ils sont précidés. Et là, avec eux, là, qui sont pas loin... Ça risque d'être compliqué. Faction détruite, Samosata. Non. Pourpre de tir, croissance, plus de cool. Faction détruite, Macédoine. On va pas les pleurer. Hein. On va pas les pleurer parce qu'ils sont sacrément forts, hein, quand même. Bon, je vais en Mars forcer jusqu'à Iconium pour essayer de défendre la ville parce que... Changement de plan. Hop, déjà, ça j'améliore. Moi aussi, non. On va aller piller Tarsus, qui est... Qui a de la belle défense, quand même. Alors. On va quand même tenter quelque chose. Pergame. Pergamon. Voilà. Ce qui fait qu'on va aller s'occuper quand même un peu de Tarsus. Et des Séleucides. On va bien piller surtout. De revenus, c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, j'ai peur qu'ici, on en profite pour m'attaquer. Ce qui est très 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 probable. Donc, je vais lever des troupes. Ah ouais, j'ai de la noble cavalerie. Ah ouais, c'est fort. En plus, ils sont... Ah ouais, c'est vrai que... Oh, c'est cher, hein. C'est 200 l'unité à... À maintenir. Oh la vache. Ouais, non, mais je vais faire du pillage en règle. Là, je vais peut-être me faire attaquer sur Iconium. J'ai... Ça serait serré. Ça serait compliqué. Il me propose la paix déjà. Mais non. Je vais les piller un peu avant. Alliance défensive. Je vais faire ça d'abord. Mais... C'est pas fait exprès. Moi, dans tous les cas, je les rejoindrai pas. Je rejoindrai pas dans leur connerie. Allez, Frondeur. On va les repiller, hein. C'est pas défendu. En même temps, c'est Antioche à côté. Ils peuvent pas non plus. Ah, bah, j'ai beaucoup moins pillé. Hein. Je suis un peu déçu là. Non, ça va être ça. Brut. On va profiter pour améliorer, pas ça. Hein. Tu me diras... Comment ça me coûte ça déjà? 800? Non. Je dissoudre ces deux unités. Prendre des légionnaires, c'est vrai qu'il me faut 5000 pour ça aussi. Hop, ah, taux de reconstitution, c'est pas mal. On va faire ça. Ah, y a de la troupe ici.
Et ça me dit, tiens, j'ai rien de spécial, donc je vais devoir recruter quelques légionnaires. C'est encore marche forcée. Après Pessinus, là, ils ont repris. Au bout d'un moment, ils devraient peut-être en avoir mal de se... mal... marre de se faire piller Tarsus, ils vont peut-être le défendre. Dans ce cas, j'irai à Sidé. Ou même, il va y avoir une rébellion à Tarsus à force de se faire piller. Ouais, c'est pas pour de suite. Hein. Hop. Je perds un peu de thunes par tour. C'est pas très très grave. Puis encore, hein. Voilà, un petit 2000, hein. Ouais, tiens, taux de recherche, c'est pas mal. Il y a plein de gosses là, mais j'ai pas assez d'argent pour les éduquer. Pas de chance, désolé les gars. Et quoi, Tarsus? Pas grand chose. Tu me diras, tout est pété. Antioche, ouais, il y a pas grand chose non plus. Décidé. Ah, il y a des mines. Antioche leur rapporte 2953 quoi, par toi. En comparaison, ma capitale c'est 1293. Ah, ça y est, Sidé est tombé. Mais bah, c'est où leur troupe qui était là alors? Ils ont bien fait quelque chose, non? Elles sont où? Peut-être partie à Éphèse? Je sais pas. Et, hein, encore un petit pillage, hein. Là, y'a quoi là? Ah, intéressant. Je vais me mettre là et je vais voir si je peux pas aller piller directement en tioche. Là, ça se passe comment? Ça se passe bien. Oh, on n'est pas bon en bouffe, hein. On n'est pas bon du tout en bouffe. Là, c'est mon espion qui me rapporte la nourriture nécessaire. Puis si je fais ça, ça sera encore pire. Ah, tu me diras. Tour prochain, j'ai ça. Tour prochain, je gagne d'autres bouffes. Ça sera toujours pas bon. Traité de paix à 8000. C'est quoi? Pour 8000, j'accepte. Pour 8000, j'accepte carrément. Y a pas de, y a pas de blabla. Pour 8000. On va retourner là-bas. Ok. On va pouvoir faire notre fonderie en bronze. De bronze plutôt. Et il me faut de la bouffe. Hein. Un des plus jeunes guerriers s'est vanté devant tous que ses méthodes étaient inégalables, qu'il a massacré plus que n'importe qui et qu'il saura perdre de nombreux enfants. Il est tel le jeune lion des fuyants, le chef de la troupe. On t'a mis d'un coup, ça va lui faire du bien. Par contre, il a quel âge lui? 60 ans, ouais, il va bientôt clamser, fait chier. C'est quoi ça? Plus de portée? Ouais, allez. Direction Arsamosat.
Hop, voilà les troupes bien fraîches. Je peux les améliorer ou pas? Ouais. Oh putain, c'est pile le montant que j'ai en thune, c'est pas cool. Allez. Direction Arsa Mosate. Je peux même pas bouger mon espion, j'aurais bien dit je l'enverrais là-bas, mais. Mais je peux pas. Sinon, on meurt de faim. Voilà. Ouais, un enfant est né, un enfant est décédé. Le pauvre, il aura pas fait long feu. Hein. Au gosse. Bon. J'ai zappé. Voilà. Pergamon. Ah, Pergamon raconte une histoire. Je vais voir si je peux le faire tomber facilement ou pas. Oh la vache, les unités à distance, toi. T'es là un chien. Après, c'est leur spécialité, donc bon. Bah, je vais raser. Une barbe vieille de plusieurs jours, ça rase. Le problème, c'est que j'ai manqué de bouffe si je fais ça. Bois des pommes, Rosmerta, Toutatis, Cernuno. Ouais. J'ai manqué de bouffe donc je vais faire un enclos plutôt. Ok, il a reprécidé lui. Vache! Ouais. Trapézos, tiens, les colchis à Trapézos. Bah non. J'ai une position. Ok, on perd presque plus d'argent, ça c'est cool. Oh, elle touche pas. Oh si j'ai les deux villes de fer là, je me mets bien. Ok. J'ai assez de nourriture pour pouvoir déplacer mon espionne. Plus la soucieuse, oui. Tu m'étonnes. Moi aussi je suis soucieux. Sur le fait que mes personnages vieillissent. Ils vieillissent plus rapidement que le temps de gestation, quoi. Je sais pas si on dit ça pour une pour un humain. Je ne sais pas du tout. Si ce n'est pas le cas, désolé mesdames. Ce n'est vraiment pas volontaire. Votre fils Gassi, oula, votre fils Gaté s'est battu avec un membre important de la tribu rivale, par conséquent les tensions ont redoublé. Les anciens s'attendent à ce que vous calmez le jeu. Oh, c'est inévitable, oh, c'est des gamins. Oh, putain, toi tu vas aller à Arsamosat. D'abord, Samosata, il était de te faire assassiner par un espion. Ensuite Arsa Mosat. Tiens d'ailleurs si je le mets là,
reconstitution plus rapide. Sidé, c'est l'Abitini ça. Ici, réaction Tarsus. C'est toujours parmi des pillages que j'ai fait là. Oh la vache. Ouais, c'est du pillage violent. Oh. Ah merde, j'ai totalement zappé un navire, donc il y a du monde. Ok. Là, si je vole de la bouffe à un navire, que je prends la ville minière, normalement, ça devrait être bon. Ah, attention, les Cimériens ici. Allez, on avance tranquillou en embuscade au cas où. Là. Ils perdent pas encore de troupes dues à la fin. Ça ne saurait tarder. 4 tours. 4 tours avant les nobles galates. Déjà. Non. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse point du tout. Ok, ok. Il sera le prochain tour. On n'est pas pressé. Ça fait comment au niveau de la culture? 0. Elle augmente pas du tout. Elle augmente un tout petit peu, mais pas grand chose. Tradition locale. Ouais. Je gagne 83 thunes par toi. Bah, c'est le début de la richesse. Hein. Non, mais là, déjà, ça va. Tiens. Je me demande s'il est pas allé à touche pas, lui. J'arrive. Pas du tout. Il est pas du tout à la touche pas, ou alors il est pas arrivé. C'est une belle défense que... Non, pas du tout. On va faire un puits. Et après, on fera une enceinte sacrée ici. Par contre, j'ai aucune idée d'où sont passées ces troupes, lui. Et là. J'espère... Voilà, il meurt de faim. Voilà. Ah bah, c'était déjà le cas, apparemment. J'ai juste pas vu. J'aurais bien fait une zone minière ici, mais... Et manque de bouffe. Vu que là, j'ai ma province de recrutement principale pour l'instant. Avec un peu de bouffe, je manque de bouffe, donc tout là, ce sera que de la bouffe. Enfin, mieux... Oh mais non! Comme si j'avais de quoi... Même si j'avais les fonds nécessaires pour les réparations, les gars. Arrêtez de foutre le feu dans votre propre ville, merde. Putain. On n'est pas en France, ici. On est en Galatie. On fout pas le feu à nos propres possessions, on est moins cons. Non, c'est pas ça. Merde. Oups, je me suis peut-être trompé. Allez. On rase ou... Ah, le piège, il fait du bien. Non, je pille. Et je rase.
Non mais j'ai besoin d'un peu de thunes, vous comprenez, même s'ils sont pas contents et tout, je m'en fous un peu. Ah, ils sont clairement pas contents. Ah ouais non, ils sont vraiment pas contents. Et donc, ils sont où les derniers Là? Où ça? Ah ouais, ils sont là. J'ai pas moyen d'arriver à touche pas. Moi bon, dans tous les cas. Il va y avoir une révolte locale. Avec lui, je serai à portée des deux. Ah, j'ai pas de défenseur. Ah, j'espère que ça fera avoir sa Mozart. J'ai pas de défenseur à touche pas. D'ailleurs, dans le doute, je vais pas prendre le risque. Ça va me rembourser mon coût de construction. Parce que si jamais ils reprennent touche pas, je serai bien dégoûté. Je serai totalement dégoûté. Enceinte sacrée. Une auberge des guerriers pour l'ordre public. Non, ici on disait plus tard. Donc des champs et un village. Ici c'est une légende. La légende du stade, les dieux du stade. La question. C'est où Raga? Ouais, c'est au Perse. Non, c'est pas plus intéressant que ça. Je pourrais prendre le Caucase en vrai. Ce sont des factions pas très fortes. Trois petites factions pas très fortes. Ça me rapportera toujours un peu de thunes. Ou même du pillage. Hein. Là, je pourrais piller. Facilement et me faire des thunes. On va faire ça d'ailleurs. J'ai trouvé ma prochaine source d'argent. Le pillage du Caucase. Bon là, ils essaient de se défendre tant bien que mal, voilà. On fait quelques esclaves. Non. Les esclaves boosteront un peu mon économie. Alors, où est-ce que ça s'est révolté? Touche pas. Tiens, comme je l'avais prévu. Vous voyez, j'ai bien fait. Ouais, super. J'ai bien fait là de retirer les constructions qui étaient là. Sinon j'aurais juste perdu l'argent quoi. Bon, allez, je rase une deuxième fois, ça me fera un peu de pognon. De toute façon il y avait déjà rien, mais j'ai rasé quand même. Hop et hop. L'ordre public fait que je vais avoir une deuxième rébellion. Mais là j'ai des troupes pour me défendre. Ouais bon bah toujours hein, comme d'hab. Hop, tiens un petit stratège lui. Il va se déplacer plus rapidement. Toi tu vas monter d'un niveau. On n'est pas trop mal, on n'est pas si mal. Là où il meurt de faim. Ouais mais il mourrait de faim de base je crois. Allez puis on va arrêter l'épisode ici pour aujourd'hui. On a conquis une province entière, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir te frotter à moi? On va rigoler un coup. J'espère que cet épisode vous aura plu. Encore? Et moi je vous propose de vous retrouver. De me retrouver. Ouais, c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Très bientôt. Pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob.